Coucou à tous. C'est ça. Coucou à toutes, coucou à tous. Il m'a semblé, je me suis demandé si j'ai oublié quelqu'un. Vous allez bien? Moi ça va super bien. Je suis là pour tester un sextoy, donc je suis joie et bonne humeur. Wouh! Et aujourd'hui, on va tester un God Made in France, puisque c'est mon lapin rose qui m'a envoyé un sextoy de la marque Gangbangster Hard. Non, Gangbangster, il n'y a pas Hard. Ouais. Gangbangster, dans la collection Monster Toy. Quel est donc ce petit monstre que nous allons tester? Alors, ce petit monstre s'appelle Ileos. C'est un god avec des écailles. C'est ça. Dans une ambiance, on est décidément, on est dans l'ambiance dragon, heroic fantasy, pangolin. tout ça. Pangolin, mais oui! C'est une kick de pangolin. C'est un god pangolin. Il ne transmet pas le Covid-19. Vous pouvez y aller joyeusement. Tout dépend de où vous l'avez laissé traîner, mais comme c'est du vinyle, a priori, il suffit de le laver au savon, quoi. Voilà. Voilà. Alors, côté emballage, on va peut-être pas y passer 15 ans, hein. Voilà. Il y a un plastique. On va l'enlever quand même. Il y a ce qu'il n'y avait pas avant, la petite étiquette, hein, qui va bien. Et l'autre petite étiquette qui va bien. Voilà, vous avez quand même deux étiquettes, hein, avec le logo et le site, hein, monstertoys.eu. Et hop là, les petites infos essentielles, à savoir les dimensions et comment on le lave. C'est tout petit, hein. Voilà. Comme quoi. Alors, c'est du plastique. Mais enfin, on est au minimum du plastique, là. Alors, pourquoi un si petit emballage et pourquoi pas une boîte en carton? Parce qu'on a une réduction des coûts aussi avec ça. Et que plutôt que d'avoir... Il faut savoir qu'un emballage plastoc coûte moins cher qu'un emballage en carton. Je parle pas de ça, je parle des grosses boîtes en plastique toutes transparentes. Ça coûte moins cher. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Du coup, comme ils ont quand même une petite envie de faire un peu clean, mais sans que ça coûte trop cher, ils sont passés à simplement la petite capote plastique qui permet que votre god ne traîne pas de partout, parce que vous avez des sextoys avec un rapport qualité-prix plutôt excellent, puisque ce sextoy coûte... Attention, vous avez une idée? À votre avis, ça coûte combien ça? À votre avis. Attends, 800 000 euros. Alors, 800 000 euros, vous êtes trop haut. Attention, une autre estimation, s'il vous plaît. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est... Ok, c'est pas le moment. 16,90 €, ce qui est vraiment super pas cher, même pour un god, voilà, dildo réaliste, pas réaliste, en silicone ou en vinyle, en général, c'est quand même plus cher. Donc, on est sur un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. Ouf. Ah, il faut que j'aille le laver. Ouais, non, c'est du vinyle, en fait. Donc, vous voyez, il est un petit peu huileux, parce qu'il vient de... Il a voyagé, tout, et mais c'est normal, c'est du vinyle. Non, c'est parce qu'il a chaud en te voyant. Ah, ça sent grave le plastique. Ouf. Je peux sentir. Ah oui. Ah, c'est violent, quand même. Mais cela dit, n'importe quel sextoy, quand tu viens de le recevoir, tu le laves. Hein. Donc, au fur et à mesure. C'est vrai qu'il est gras. Ouais. Le vinyle, c'est toujours gras. C'est huileux. Ouais. C'est de l'huile. C'est de l'huile. Du coup, d'ailleurs, l'avantage du vinyle, c'est que tu peux t'en servir avec tous les types de lubrifiants. En général, rappelez-vous, dès que j'ai un sextoy, je dis « Attention, que du lubrifiant à base d'eau !» Alors là, la particularité, c'est qu'on peut s'en servir avec tous les types de lubrifiants, mayonnaise compris. Il y a des fétichismes bizarres. Ne me posez pas plus de questions, ouais, je ne m'étalerai pas sur... Non, j'en sais rien. J'adore. Mais je pense, il doit y avoir des fétichistes de la mayonnaise. Si ! Si ! Si, si ! Oui, ça me revient. Oui, oui, oui. Ça me revient. Ah, moi, j'ai pas testé, hein, mais on m'en a parlé. Ça, on va le laisser. Hein, mayonnaise, ketchup. Ça m'est je pense que des fois, tu vois, il faut pas les manger trop dans les fast-foods. Ça fait des trucs au cerveau, c'est pas bon, quoi. Non, c'est vraiment, sans déconner, hein, c'est pas bon, hein. Allez, va le rincer, chope ton maître et il est là, mon maître. Alors, mesuration. Mesuration. Alors. Sur le gros mode d'emploi du sextoy, qui est là. Ouais, mais c'est... On m'annonce, hein, 18 par 4. Mais donc, c'est des arnaqueurs en général. Eux, ils font plus. Ouais, Gangbangster et t'arnaques, ils oublient de te donner des centimètres. Alors, longueur insérable, max.
Bon, allez. On va dire 18 si tu vas pas jusqu'au bout. Ouais. On va dire qu'ils sont bons. Allez. Et diamètre max. Où est-ce qu'il va être le diamètre max? Au milieu. Alors, j'ai une circonférence de 14. Tu sais où il est, ma calculatrice? Ouais. Présente, regarde les finitions. Je regarde les finitions. Alors, pour le coup, souvent les sextoys de Gangbangster... Combien tu as dit? 4 cm. 14. Vas-y. Ah, il me dit vas-y, mais en fait, il a besoin de moi en permanence. 4,45. Ah, quand même, il y a une petite entourloupe là, parce que... On dirait pas, mais 45 sur 2 diamètres, ça compte, ça compte. Ben, c'est une demi-centimètre. Parce que quand il y a 5 et qu'on te dit t'inquiète, il y a 0,45 en plus, mais tu dis non. Hein, voilà. Enfin, tu dis, ça dépend. Il y a des gens qui font oui, tout dépend. Alors, souvent, les sextoys de Gangbangster, il y a des petites bulles, des petits. Eh ben, lapins. Ouais, ils ont dû changer un truc, ou c'est le côté écaille, ou je sais pas si. Là. Il n'y a rien en fait. Non, non. Franchement, c'est un des. Au niveau des finitions. Bon, par contre, il est ventouse et la ventouse m'a l'air assez naze. Ouais, ah, la ventouse. Ils ont un souci. Ah. En fait, il ne faut pas le claquer. Il faut juste le poser. Ah. Il y a de l'amélioration sur la ventouse. Voilà. Tiens. Moi, ça ventouse très bien quand même. Bon, disons que l'avantage, c'est cette fille est nulle en ventouse. Regarde. Quoi, il faut... Moi, j'y arrive pas. Moi, ils vont tous pas. Mais enfin. Donc, il faut que vous ayez un Renault avec vous qui ventouse votre voilà. God. C'est le seul petit... Alors, moi, je l'ai, mais il n'est pas livré avec le sextoy. Hein. Donc, si vous l'avez pas avec vous, bonne chance. Hein. Parce que moi, je n'arrive... Pourquoi toi, t'arrives à le... Ah! Voilà, parce que je suis pas un gros bourré. Contrairement à ce que je fais croire. Donc, et ben du coup, ça ventouse bien. Yeah! Mais dites donc, que d'amélioration, une ventouse qui ventouse. Définition, ma foi, moi ça ne me dérangeait pas hein, parce qu'il n'y a pas d'inconfort du tout. Mais là, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Bon, alors il n'y a toujours pas de pochette de rangement. Vu l'emballage, ça tenait pas. Mais 16,90€ quand même, je vous le rappelle. Alors, sinon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont repris le côté inspiration un petit peu heroic fantasy. On est sur de la top de dragon hein, ou de pangolin. Ouais. Avec, du coup, je pense, l'intérêt, c'est que on va avoir un effet relief à la pénétration qui va être sympathique. C'est un god, un dildo tout simple. Donc, on l'utilise en vaginal, en anal, à mon avis, au choix. Va falloir voir. Et il est quand même, le vinyle, c'est toujours dense et ferme. Hein. Ça semble souple, mais ça l'est pas. Mais ce qui est cool, c'est qu'il est quand même pas trop gros. Donc, y a plus qu'à aller le laver pour le tester. Et je vous dis ce que j'en pense. Voilà. Et t'as vu en le lavant? Alors, je l'ai lavé. Et dès qu'on le lave, hein, l'odeur s'atténue par rapport à l'odeur super forte qu'il y avait. Donc je l'ai lavé, voilà, au niveau du goût, franchement ça va, c'est très neutre en goût. Au niveau des sensations. Et au niveau des sensations, bah, parce que je l'ai lavé, je l'ai goûté et je l'ai testé, c'est incroyable, je fais de ces trucs moi. Au niveau des sensations, alors ce que j'aime bien c'est que les écailles du pangolin, là, le texturage c'est présent. Ça te fait, au niveau vaginal, ça va te faire comme un massage vaginal. Et au niveau anal, à chaque fois que ça rentre et que ça sort, au niveau vraiment de la rondelle de l'anus, c'est fort sympathique. Après, c'est ce que j'appelle un god nerveux. C'est-à-dire qu'il a une densité, il est vraiment bien ferme, bien dense. Donc, avec un gland assez dur, ce qui fait que pour rentrer en anal, la tête chercheuse est là. Ce que j'appelle un god nerveux, c'est-à-dire qu'il faut que, si t'as envie vraiment d'un truc un peu pam, un peu nerveux, un peu toc toc, tu vois, c'est dur, c'est ferme, c'est qui envoie. Ouais, ça envoie, du coup c'est top. Des fois après moi, des si fois je préfère envie des de quelque trucs, chose plus moelleux, plus moussi. Il faut que t'aies un autre god, voilà. Alors, lequel, je mais en fait, vais vous faire faut, une sélection de mes gods, mes meilleurs god réalistes, je crois. Faut avoir deux gods, ouais. un souple et quoi, un moelleux et un nerveux. Voilà, c'est... Enfin, avis perso.
Voilà. À diversion. C'est en fait, tu fais pas de l'autoroute avec une moto trial. Non, et tu ni une Dodge. Si, ça tu peux. C'est ah, c'est chiant. Tu te fais chier quoi. Non, mais c'est comme là, tu et, peux hein. Et tu vas, mais tu vas pas dans la colline avec une Goldwyn ou une BMW. Non, tu fais pas. Tu fais pas. Donc, du coup, bah, il fait le taf et en fait, la ventouse fonctionne très bien. Hein. On l'a testé en direct live et il correspond à ce qu'il annonce, c'est-à-dire un god qui se tient, dense, nervuré, avec un effet relief qui est efficace mais pas agressif, avec un rapport qualité-prix qui, ma foi, défie toute concurrence, hein, puisque 16,90€. Moins de 1€ le centimètre de pénétration. Ouais, parce qu'il y a 18 cm, vous imaginez ? Franchement, sans déconner. Voilà quoi. Et en plus, je tiens à préciser que Gangbangster, c'est une marque française qui conçoit. Fabrique. Qui conçoit en France, mais qui fabrique en France. C'est-à-dire qu'ils font fabriquer non pas en Chine, non pas à Tataïoun-les-Bains, enfin peut-être que c'est à Tataïoun-les-Bains d'ailleurs, mais c'est pas à Pongkisai. Attends. C'est en France quoi, voilà. C'est en France, ce qui permet aussi d'avoir un très bon rapport qualité-prix, puisque tu réduis les coûts de transport, t'as pas à payer une blinde, et du coup, ce que j'aime bien, tu pollues moins. Quand c'est une pandémie, il y en a toujours. Exactement, puisque les frontières sont pas fermées en France, enfin pas à l'intérieur même de la France quoi. Et en plus, niveau écologique, bah t'as pas, parce qu'il faut savoir ce que tu manges au niveau des cargos, de, allez, c'est horrible. Ils s'en foutent. Hein. 16,90€ sur mon lapin rose. De toute manière, vous avez tous les liens sur mon site et ou dans voir plus. Ou voir plus, vous avez le lien aussi là. Clic clic voir plus, vous avez le lien et sur mon site. charlie-tantra.fr, vous avez l'article complet et vous avez la vidéo de démonstration. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si toi aussi, tu veux être sacré chevalier de l'ordre sacré du pangolin, attention, il va te falloir effectuer plusieurs actions. Tu vas devoir, aie confiance, tu vas devoir liker cette vidéo, commenter cette vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait, mon Dieu, mais mon Dieu, abonne-toi à ma chaîne et abonne-toi à tous mes réseaux sociaux. Charlie Live Show sur Twitter et sur Instagram. Et Charlie Tantra sur Facebook et sur YouTube. Mais tu le sais, puisque t'es déjà sur YouTube. Voilà, l'article complet sur mon site charlie-tantra.fr. Un gros bisou à monlapinrose.com. Le lien pour vous acheter ce god Ileos en honneur pour le pangolin, mais celui-là transmet pas le Covid-19. Le lien est dessous. Des bisous et à très vite pour de nouveaux tests sextoy.